Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Resident Evil 6 live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Vingt-quatre décembre 2012. What the fuck? Censé me donner un coup de fouet. Mais je sens pas la différence. Tu sais, entre nous, on aurait dû demander plus d'argent. Beaucoup plus. Je suis sûr que ça faisait pas partie du contrat. Je suis prêt à le renégocier. T'as pris ta dose? Ouais. Si t'en veux aussi, faut voir avec la dame à l'étage du dessous. Mais je te le déconseille. Aucun doute. T'as les anticorps. Merci beaucoup. Attends quoi? Tu es la clé pour sauver le monde, Jack Mueller. Je vais d'abord me sauver moi. Juste l'équilibre. Ça va. Chérie Birkin, à vous. Ouais, content pour toi. Mais c'est pas le moment. Tu viens? Après toi. Ces choses étaient des javots. Ce sont eux les armes biologiques des insurgés. Voilà qui explique la présence des troupes du BSA. On doit quitter le pays sans attirer l'attention de l'une ou l'autre des parties. Chacun des hommes de ta section sont des javots maintenant. Et tu es habillé comme eux. Viens, on doit sortir d'ici. On se croirait dans un mauvais film. T'as du popcorn? Thank you.
Très bien, voilà mes conditions. Je veux toucher 200 000 d'avance, et 200 quand ce sera fini. Pour les armes biologiques, il y a un supplément. Ce sera 1000 de plus. Par tête. Je suis pas venu pour t'engager. Hein? T'es là pour quoi, alors? Pour ton sang. Tu bosses pour la Croix-Rouge? Non, écoute. Ces choses qui nous ont attaquées, elles ont été exposées à un virus. Le virus C. Ouais. C'est justement la souche que tu viens de t'injecter. S'il ne t'a pas affecté, c'est parce que tu possèdes les anticorps. Nous sommes confrontés à une attaque bioterroriste mondiale et il nous faut trouver un vaccin au plus vite. S'il te plaît, aide-nous. Jake, il nous faut ton sang. $50 millions. Quoi ? En cash, non négociable. En échange, un demi-litre. Bonne deal. On dirait qu'ils nous attendent. On va devoir leur tirer dessus. Je suis d'accord. On n'a plus le choix maintenant. Cet endroit est en train de s'effondrer. Allons-y, mollo. Je pensais qu'il était en train de tomber en bas. On dirait que ça va pas être facile pour le BSA. Tu sais pas tout. Aux dernières nouvelles, mes employeurs avaient un tank de l'autre côté de la rivière. Le BSA ne pourra sûrement pas quitter ce pont en un seul morceau.
Je suis pas l'un de ces dégénérés, bande d'imbéciles! T'en penses quoi? On se bat ou on fuit? Ils sont trop nombreux. On va devoir fuir. Bien reçu. Bon alors, on va où? Ah, c'est lui, ça, c'est les... Il les poursuit partout. Comme Monsieur X. La Nemesis. Merci de m'avoir prévenu. Ok, on passe à ton plan. Faut y aller. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il nous poursuit. Enfin, il te suit, toi.
Regarde, on peut sortir par là. On dirait que ce bâtiment va s'effondrer aussi. Quelqu'un devra appeler un architecte. Oui. Oh, il fait encore plus froid ici que dehors. Ces enfoirés n'ont vraiment rien de mieux à faire! Ces enfoirés n'ont vraiment rien de mieux à faire! Il va bien falloir qu'il l'accepte. Mes 50 millions de dollars! J'en parlerai à mon chef, si on s'en tire vivant!
Qu'est-ce que t'as, enfoiré? Tu t'énerves? C'est pas vrai, ça commence à virer au cauchemar. Mais au moins tu es vivant. Beaucoup de choses dépendent de nous. Ok. Il y a 3 ans, j'ai cru mourir dans la jungle en Amérique du Sud. L'ennemi nous avait encerclés. En un clin d'œil, toute mon équipe a péri, et j'avais perdu mon arme. Et ce connard est venu avec un couteau. Il pensait pas que je méritais une balle. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Il n'y a rien de pire que d'être tué à l'arme blanche. Oh, c'est terrible. Les mercenaires choisissent pas comment ils vont mourir. C'est comme ça. C'est un peu le principe de ton boulot, non? C'est une chose de mourir pour l'argent, c'est mon choix. Mais mourir sans vraie raison, c'est hors de question. Bon, est-ce que tu vas me dire ce que c'est que cette grosse terreur et pourquoi elle essayait de me tuer? Cette chose est identique au Javo. C'est une arme biologique créée avec le virus C. Elle est utilisée par une organisation terroriste, Neo Umbrella. Ça me dit rien. Ils veulent étudier les anticorps de ton sang. Et ils se fichent que tu sois mort ou vivant. La vie de mercenaire était meilleure. Je ne laisserai personne te faire du mal. Le monde a besoin de toi. Non, non, non. Pas de moi. Mon sang. Eh ben, le monde l'aura. Quand quelqu'un aura craché la thune. Peut-être une mission, ça prend après un chapitre, comme une heure minimum. Chérie Birkin, sécurité nationale. Chérie Birkin, vous étiez à Raccoon City. Comment vous savez ça? Claire. Quoi? Vous êtes Chris? Ma sœur m'a beaucoup parlé de vous. Chris, c'est un insurgé recherché. Oui, c'est un mercenaire, mais il est sous la protection du gouvernement américain. Il ne menace pas le BSAA. Sauf si on paye pour le faire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi? Oublié. QG à équipe Alpha. Les renforts sont dans l'impossibilité d'atterrir à cause de la DCA. Abattez-la. Reçu 5 sur 5. Bon sang. Le radar détecte un énorme signal. Il se dirige vers vous. Plus tard.
Alpha répondit à Echo. Ces trois canons anti-aériens nous empêchent d'approcher. Bien reçu, Echo. On s'en occupe pour vous. La première cible est là-bas. Chris, on va vous aider. Hors de question. Allez vous abriter. Vous en faites pas pour moi. Je peux me débrouiller et vous avez besoin d'aide. Je crois que mes chances de survie étaient plus élevées quand j'étais mercenaire. Encore quelques minutes.
Bol, hein? Ça lâche pas. Allez, le plus dur! Tout le monde dans ce passage souterrain! Ouais. Bon travail Alpha, encore un canon.
pose les explosifs. Non, je peux pas croire, là! Qu'est-ce que je touche, tabarnak? Chris, je touche de quoi qui fait ça? La manette n'est pas connectée. Voyons, la manette n'est pas connectée. Ça, j'étais obligé de connecter la manette. La pièce, j'ai oublié de connecter ma manette, là.
donner les coordonnées au pilote. Merci beaucoup pour votre aide. Hey. Hey. On se connaît. Je sais pas, vous avez tous la même gueule pour moi, désolé. Pour qui se prend? Je dois me tromper. Je vous souhaite bonne chance. D'une chose. Monsieur Müller demande une compensation pour sa coopération. 50 millions de dollars. En espèces. Oui. D'accord, je comprends. Je vais lui dire. What's up, Silent Star? Alors, marché conclu. C'est bon. Marché conclu. C'était facile. Ouais, au fait. Ce type avec qui t'avais l'air tout émoustillé. Tu parles de Chris? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a? C'était quoi? Un très mauvais signe. Et c'est pas fini. Cette chose en a après vous deux, hein? Désolé, je voulais pas vous mettre en danger. Non, je sais pas, ma fille. C'est pour cette raison qu'on paye autant.
c'est de mieux en mieux. Rien. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Resident Evil 6 live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!